Dans cette vidéo, une nouvelle application. Donc maintenant, vous avez parcouru les progressions de l'accord majeur 7. Vous avez parcouru les progressions, les trois progressions également de l'accord mineur 7. Les trois progressions de l'accord de septième. Super, c'est déjà un beau parcours. Donc, application qui va nous permettre de mélanger ces trois qualités d'accord. Vous savez que dans les standards, ou dans, que ce soit en jazz ou dans d'autres formes de musique, il y a une cadence harmonique qui revient très souvent, c'est ce qu'on appelle les 2-5-1. Ben, c'est ce que l'on va développer aujourd'hui. Je vais vous donner un premier exemple d'accompagnement sur un 2-5-1. On va rester dans la gamme de Do. C'est très bien. Pour illustrer nos propos, c'est bien que l'on reste en Do majeur. Donc en fait, l'exemple que je vais vous donner va être sur Ré mineur 7, Sol 7. Tout ce qui participe, tout ce qui est issu de la gamme de Do majeur. Ré mineur 7-9, Sol 7-9, Do majeur 7-9, Do majeur 7. Et bien entendu que je vais venir utiliser les progressions sur l'accord de Do majeur 7, ça vous les connaissez. Je vais venir utiliser les progressions pour mon accord de Ré mineur 7. Je vais jouer en fait, qu'est-ce que je vais jouer? Ce sont les progressions que je vous ai proposées sur Do mineur 7, qui sont tout simplement transposés de un ton. C'est ça que je vais venir utiliser. Donc il y a déjà la notion de transposition que l'on a déjà abordée dans d'autres vidéos. Et sur le Sol 7, en fait, qu'est-ce que je vais utiliser? Les progressions que nous avons travaillées sur le Do 7, qui seront transposées au Sol 7. Donc regardez donc, le premier exemple d'accompagnement que l'on va faire sur ce 2-5-1, traditionnellement, on l'accompagnerait comme ça, de différentes façons, etc., etc. Là, ce qui va être chouette, c'est de pouvoir enrichir votre jeu. Et notre 2-5-1 va sonner comme ça. En fait, je me retrouve avec deux accords par mesure. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Vous avez vu? Et je peux le faire varier rythmiquement. 1, 2, 3, 4. Déjà vraiment différent. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette progression? Sur l'accord de Ré mineur 7, rappelez-vous que je suis à deux accords par mesure, donc un accord tous les deux temps. Sur le Ré mineur 7, je pars avec celui-ci que vous connaissez maintenant, le Ré mineur 7-9, qui fait partie de nos progressions, bien entendu. Hein. Tout ce que j'utilise est dans les progressions. Et je passe à ce bel accord qui est un Fa 6 qui est dans nos progressions. Donc sur le Ré mineur 7, plutôt que de jouer que ça, ou que ça, ou uniquement ça, je vais déjà avoir, super, j'ai un champ sonore qui est déjà plus large, et une mélodie qui se crée. À l'aigu, j'ai Mi et Ré. Mi, Ré. Ça, c'est sur le Ré mineur 7. Et en fait, ce Fa 6, c'est une substitution. Hein. C'est un accord qui peut venir remplacer le Ré mineur 7. Sur le Sol 7, je joue ces deux accords. Ça, en fait, c'est un Sol 7 avec une 13e. Et après, je viens jouer cet accord qui est un Ré mineur 7-11, qui est une substitution, en fait. Cet accord, il peut venir remplacer mon Sol 7. Et encore une fois, ces accords sont issus des progressions que nous avons étudiées précédemment. Hein. Vous avez vu, celui-ci et fait partie de la progression des quatre cordes aiguës, et celui-ci fait partie de la progression des quatre cordes centrales. Voilà.
Donc ça me permet de... Et je suis là, ces deux accords sont sur Sol 7. Je continue, j'arrive sur le Do majeur 7. Et on va avoir deux mesures de Do majeur 7. Sur la première mesure, je vais avoir Do majeur 7. Là, je mets un petit accord de passage, Ré mineur 7, 11. C'est un accord de passage hein, qui met le Fa à la mélodie. Donc Do majeur 7. Un accord de passage, Ré mineur 7, 11. Mi mineur 7, 11, substitution. Cet accord peut remplacer le Do majeur 7. Et je termine par Do majeur 7, mais une version à trois sons hein, que vous avez dans les progressions, hein, bien sûr. C'est super, regardez, plutôt que d'avoir sur Do majeur 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, j'ai 1, 2. Je vous rejoue la progression. D'utilisation des progressions harmoniques sur un 2-5-1 majeur.